Le mardi 25 juillet, Caroline Receveur a pris ses abonnés par surprise en révélant qu'elle souffrait d'un cancer du sein depuis 2 mois. L'influenceuse de 35 ans avait choisi de garder cette épreuve privée jusqu'à ce jour, mais elle a décidé de partager son combat désormais avec sa communauté sur Instagram. Dans un message émouvant, Caroline a décrit les difficultés qu'elle traversait lors de son traitement de chimiothérapie. Elle s'est ouverte sur ses sentiments de vide et de perte d'appétit, exprimant la difficulté de faire face à cette maladie seule malgré sa volonté de préserver son intimité. Son témoignage a suscité une vague d'émotions parmi ses abonnés qui ont inondé sa publication de milliers de commentaires de soutien, d'encouragement. Il faut dire qu'elle est suivie par un grand nombre de fans. Parmi ceux qui l'entourent, son compagnon Hugo Philippe a été d'un soutien indéfectible. Dans une story Instagram, il a partagé la publication de Caroline avec le commentaire inspirant « La vie est une montagne russe, mais à la fin, nous revenons toujours plus fort » plus tard dans un commentaire sur la page de Caroline. Il a laissé un message bouleversant, affirmant leur amour et leur engagement à surmonter ensemble cette épreuve difficile « Ad vitam aeternam » pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la tristesse. Le commentaire d'Hugo a touché le cœur de nombreux internautes qui ont salué la force et la solidarité du couple. Les messages de soutien ont afflué, exprimant des vœux de longévité à leur amour et de nombreux encouragements. La force du lien entre Caroline et Hugo a été saluée par les internautes qui ont témoigné leur admiration pour ce couple uni face à l'adversité. Dans cette période difficile, l'amour et le soutien de son compagnon et de sa communauté en ligne semblent être une source de réconfort pour Caroline de Receveur. Il est à noter que d'après ce qu'elle a dit hier, le cancer a été pris assez tôt et même si celui-ci est dit agressif, il semble quand même qu'il ait été pris à temps. Croisons les doigts pour la très jolie et très sympathique Caroline Receveur.